Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Deauville, bienvenue à l'établissement des ventes Arcana. Dans quelques minutes va commencer dans la salle des ventes la vente aux enchères de charité, la vente aux enchères de Sailly au profit de l'association Sauvegarde des terres d'élevage. Dans quelques minutes, venez nous retrouver dans la salle des ventes d'Arcana. J'imagine que si on le laisse en vibreur, ça grésille dans les micros. Hein, non. Charity action to help the association Sauvegarde des terres d'élevage, which is fighting against a huge dangerous project. A toxic waste landfill which threatens to pollute the air, soil and water all around the Nonlepin, further afield. Non, non, loin de là mon idée. On est bien placé. Venez nous retrouver dans la salle des ventes, s'il vous plaît, pour cette vente aux enchères de Sailly qui va commencer dans quelques minutes. Please come all around the auction ring, please, for this charity auction sale, which now will begin in a few minutes. Thank you.
Eh bien, mesdames et messieurs, il est 5 heures, l'heure de commencer cette vente aux enchères de charité. Bienvenue à vous tous, venez nous rejoindre, installez-vous. Ladies and gentlemen, it's time now to begin. Welcome for this charity auction sale to help the association Sauvegarde des Terres d'Élevage, which is fighting against a huge, dangerous project. Oui, nous sommes réunis à nouveau cette année, un an après la première vente aux enchères qui avait lieu l'année dernière, pour aider l'association Sauvegarde des Terres d'Élevage à lutter contre ce projet de cette immense décharge autour de Nonant-le-Pin. Plus de 150 000 tonnes de déchets toxiques qui sont projetés d'être enfouis dans cette belle région d'élevage où se retrouvent plus de 160 haras et centres d'entraînement, toutes races confondues, toutes disciplines confondues. Et nous sommes là pour aider toutes ces personnes qui vivent de l'environnement et qui vivent de cette activité d'élevage. Just a few words in English before to begin. To remember you that we are fighting against this huge project, which is a toxic waste landfill, which threatens to pollute the air, soil and water all around Nonant-le-Pin and further afield. And this is a region that lives only from the quality of its environment around the horse breeding, with more than 160 stud farms and training center. Nous sommes ici avec Monsieur Jacques Carle, qui préside le cabinet Carle et Associés et qui pilote l'ensemble des acteurs, c'est ce qu'on appelle un petit peu un lobbyiste, qui coordonne toutes les actions juridiques qui sont en ce moment en cours pour lutter contre ce projet. Monsieur Carle, soyez le bienvenu et pouvez-vous nous dire en quelques mots, en quelques minutes, où en sommes-nous depuis l'année dernière? À quoi a servi l'argent qui a été récolté l'année dernière? Et où allons-nous maintenant? Merci. Bonsoir et merci encore de soutenir ce combat qui est un combat essentiel face à un scandale environnemental. Est-ce qu'on m'entend là? Un petit peu d'attention s'il vous plaît. Face à un scandale économique et environnemental de première grandeur. L'argent qui est recueilli ici couvre un peu plus de 50% des dépenses. Celles-ci se répartissant à peu près en trois lots. Des dépenses juridiques, des dépenses d'expertise et des dépenses de coordination stratégique. Depuis, cette décharge aurait dû ouvrir en avril 2013. Elle n'a pas ouvert parce qu'on a réussi à trouver des voies judiciaires, notamment par l'intermédiaire du tribunal civil, qui empêchent encore une fois qu'elle puisse ouvrir, alors même que les décisions d'autorisation avaient été prises par le tribunal administratif de Caen, décision complètement inique, puisque cette décision avait été contre l'enquête publique qui était défavorable et contre la décision du préfet de l'Orne. Il y a eu des appuis politiques, notamment d'Alain Lambert, le président du Conseil général de l'Orne, et d'autres hommes politiques. Pour faire simple, nous avons des actions à quatre niveaux, au niveau politique, au niveau administratif, au niveau judiciaire et au niveau médiatique. Aujourd'hui, c'est un problème, c'est un sujet qui est très largement connu. Il y a des émissions à la télévision, il y a des articles dans les journaux qui sont récurrents et on peut estimer que c'est aujourd'hui un des grands projets scandaleux et inutiles qu'il y a en France. Mais GDE est une entreprise puissante, GDE est une entreprise qui a infiltré notamment dans l'administration, beaucoup d'administrations qui ne veulent surtout pas que l'on gagne et il faudra encore à mon avis au moins un an pour aboutir au résultat, et le seul résultat que l'on puisse accepter, c'est que la ministre de l'écologie suspende l'autorisation qui a été donnée. Nous avons tous les motifs pour que cette décision soit prise. Il y a une pollution des eaux, alors même que l'entreprise a déversé seulement pendant deux jours des déchets. Nous avons pu faire expertiser le fait que ce site n'a pas été construit selon les règles, et si par hasard il y a quelques jours de déchets qui sont déversés, tout le bassin de l'Orne sera pollué. Il faut quand même avoir en tête que cette décharge est au milieu des haras, mais qu'elle est au milieu d'une région qui est extrêmement sensible au plan environnemental. Donc votre action et votre investissement sont absolument nécessaires pour qu'on puisse poursuivre un combat qui est difficile. La dernière nouvelle qui date d'avant-hier, c'est que GDE a récusé les experts qui travaillent sur le site et qui sont en train de démontrer que ce site doit absolument fermer.
Donc merci encore de votre investissement, merci encore de votre engagement, et c'est comme ça que nous arriverons au résultat. Il faut que vous sachiez, pour finir, que GDE dépense 5 fois plus que les budgets que nous réussissons à réunir. Et pourtant, c'est nous, pour l'instant, qui tenons la corde, et c'est nous qui gagnerons. Merci. Merci, monsieur. C'est donc le combat de David contre Goliath qu'on est en train de soutenir. On va débuter les enchères. On a 19 étalons à vendre cet après-midi, plus un très beau voyage en Tanzanie. Juste avant de vous présenter le premier cheval avec Eric Oyo, eh bien on vous explique un petit peu les règles du jeu de cette vente aux enchères. Bonjour, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de venir nombreux participer à cette vente caritative pour une cause juste et bonne. C'est bon, il a monté un peu. Plus fort encore. Nous allons donc procéder à la vente aux enchères sans condition de 19 saillies, puisque une saillie s'est ajoutée à la liste que vous avez. C'est one additional nomination with Gregorian who will be sold at the end of the list. Toutes les saillies sont donc vendues sans condition. The nominations are sold without condition. But the association with the broker insurer, Le Centaure, offer you the possibility of insurance. Bienvenue, mes chers amis, sur France TV pour une assurance émission tout à fait spéciale. Je pense que le son est OK. On m'entend bien. Moi, j'ai un bon retour dans mon casque. En tout cas, nous sommes ici à Deauville lors des prestigieuses ventes juste d'élevage. Concernant Kingman et Le Havre. Ah, petit pas je rappelle pour saillie, Kingman et l'OPD Vega. On vous expliquera tout à l'heure le pourquoi du comment. Aux conditions. Alors, comme normales, je vous le disais, vous êtes ici en direct sur le ring de l'établissement Élite de Brignac. Pourquoi on ne voit pas de chevaux dans le ring et dehors? Tout simplement parce que les ventes commenceront demain. Et ce soir, vous voyez jusqu'à côté du ring, on a plusieurs verres de champagne, de jus d'orange. On a des petits toasts. Et on laisse la parole plutôt à Eric Oyo. Fait par Jean-Baptiste à côté de moi. Les vidéos, effectivement, sur les écrans vous seront commentées de la même manière. Eh bien, merci Eric. Nous pouvons commencer en effet avec Anodin, nouvel étalon pour 2015. Et nous remercions ici Vertemer et Frères et tous ceux qui offrent des saillies cet après-midi. Mais pour l'instant, Vertemer et Frères pour la saillie d'Anodin, le propre frère de Goldikova, bien sûr, que nous vous proposons ici, qui a commencé à gagner en groupe 3 à Chantilly, qui a été ensuite 5 fois placé de groupe 1 en France et en Angleterre, dont le Boulin de Longchamp, dans un lot d'exception, rappelons-le, un lot qui réunissait Maxios, Olympic Glory. Anodin a aussi été deuxième du crack champion Cyrus des Aigles dans l'Isparan, troisième de Toronado dans les Queen Anne Stakes, dauphin de Cara Conti dans la Breeders' Cup Mile, et deuxième de la Breeders' Cup Mile pour ses adieux à la compétition. C'est anodin. Alors, petit rappel, que fait-on ici alors qu'il n'y a pas de chevaux? Et bien, pourquoi nous sommes en direct pour une émission tout à fait spéciale? Nous vendons actuellement 18, 19 même saillies d'étalons au profit de l'association des sauvegardes des terres d'élevage de Nonant-le-Pin. Comme vous le savez, les terres de Nonant-le-Pin sont menacées par l'entreprise qui défend l'environnement. On débute déjà à 6 000 euros. 7 000, je crois que c'est le prix d'Anodin. À 7 000. Alors, pour terminer mon explication, donc 19 étalons et non 18 comme indiqué hier notamment sur le site français, puisqu'il y a Maxios et Gregorian qui ont été rajoutés en dernière minute en wildcard. Et donc on vend ici les saillies des étalons des ayants droit, donc 9 000 euros anodin, le propre offert de Goldikova pour une vente de charité et d'exception. À 9 000 nous sommes, et on va être jugé à 9 000, seulement à 9 000 nous sommes, l'enchère à 9 000, bien vu à 9 000, fini dernière fois. À 9 000 euros, bien vu. À 9 000 euros, rien plus à gauche. À 9, 10, j'ai en bas. À 10 000, Ludovic, ici. À 10 000, 11, on y vient. À 11 000, j'ai maintenant. À 11 000, anodin. À 11 000, merci de votre aide. À 11 000 euros, en haut à droite. À 11 000 euros, merci, dernière fois. À 11 000, et on va adjuger à 11 000, pas de regret. À 11 000 euros pour anodin.
à 11 000 euros. Merci. À 11 000 euros. On a Dieu. Sylvain Vidal, Arras de la Couvinière. Merci. Merci à l'âme d'Orbideur également. Merci Sylvain Vidal pour cette saillie d'anodin. Nous enchaînons grâce à la générosité des Aga Khan Studs en vous présentant d'abord... 11 000 euros pour une saillie d'anodin et comme vous l'avez entendu, c'est Sylvain Vidal, Rade la Covinière, qui a eu le dernier mot. Donc c'est bravo à lui, il a été applaudi. Voix royale, il a bien raison. Le Lupin, le Jockey Club, l'Arc de Triomphe, il avait gagné déjà le Critérium International à 2 ans, rappelons-le. Mais aujourd'hui, Dalakani, c'est un père de 7 vainqueurs de groupe 1, dont la double vainqueur sur le mile intégral. C'est aussi un père de classique, le père de Moonstone, qui a gagné les Irish Oaks, de Duncan et de Conduit, qui ont gagné tous deux le Saint-Léger. Aliette Fourien et Noël Sandoz viennent remercier Sylvain Vidal, ils lui offrent un verre, lui font la bise. 58% de gagnants par partant, toutes générations confondues. C'est pourquoi Aliette Fourien et Noël Sandoz lui font la bise, bah, tout simplement, elles sont très, très impliquées dans la lutte contre GDE, et notamment dans l'association sauvegarde des terres d'élevage. On va passer à Dalakani, père d'intégrale, double le rate de groupe 1. Fait la monte en Irlande, Dalakani, depuis le début d'ailleurs. Il est offert bien sûr cette saillie, c'est offert par les Aga Khan Studs. Qui prend le relais de 10 à 10 000. À 10 000 euros, 10, 11, 11 000. 11 000, Lanchère à droite à 11 000. Bernard Parnois à 11 à 11 000. Ludovic 11, 12, 12 000. J'ai à 12 à 12 000. À 12 000, j'ai maintenant Dalakani à 12, 13, 13 000. 13 000, Parnois Ludovic. À 13 000 euros, 13. À 13 000, Dalakani, le père de Vedouma cette année à 13 000. À 13 000, Ludovic Lanchère plus à gauche, 13. Qui m'appelle? 14, j'ai à 14, 15 plus à gauche maintenant, plus nous Bernard, qu'à 15 000, j'ai Pierrick à 15, à 15 000, à 15 000, 15, 16, 16 000, Ludovic à 16, j'ai 16 000, à 16 000, nous sommes maintenant 16, à 16 000, Ludovic, à 16 000 euros, à 16 000 euros, 17, 17 000, à 17 000 euros, à 17 000 euros, c'était qui à 17 000, Pierrick à nouveau? À 17 000, c'était qui à 17 000? À 17 000, c'est Pierrick, pardon? À Dominique, à 17, j'ai, à 17 000, pardon, à 17 000, tout à gauche, l'enchère à 17. À 17, qui m'appelle au-delà de 17, plus nous Ludovic. Fini Bernard. À 17 000, j'ai Dalakani, le père de Vedouma et le père de nombreux classiques. À 17, nous sommes à 17 000 euros. À 17 000 euros, Dominique Lanchère. À 17 000 euros, merci, plus à droite. À 17 000, fini là. À 17 000, j'ai ici. À 17 000, merci. À 17 000, bien vu. À 17 000 euros, on a le juge. Dominique, votre enchère 17, merci pour Dalakani. 17 000 euros pour Dalakani. C'est Pierre-Yves Bureau qui signera le bon dans un instant. Le bon est amené aux mains de Pierre-Yves Bureau par Alexandra Saint-Martin, directrice de la communication d'Arcana. C'est Pierre-Yves Bureau qui signe le bon pour Dalakani à 17 000 euros pour la série de Dalakani à 17 000 euros. Pour le compte, bien sûr, des frères Vertébert. Un peu moins qu'il a été un extraordinaire 2 ans. 6 victoires à 2 ans, dont les National Stakes au Cura et les Dewar Stakes à Ascot. Il affiche un très bon rating de 132, un très beau modèle. Il est entré à Kildangan Stud cette année. Attention, son carnet de balles est quasiment plein. Down Approach. Down Approach, dont les premières foules seront visibles l'an prochain. Les juments se sont bien vendues pleines pour la première fois. Tout bon cheval, invaincu en 6 courses, gagnant des 2000 Guinées, gagnant des St. James Palace, fils de New Approach, cheval dur, consistant, vainqueur des 2000 Guinées comme on l'a vu ici. Combien offre-t-on pour débuter? 30, 30, 30, 20, 20 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000, j'ai 22, 22 000, 22 000, vous êtes 2, 22, 4, 26, 26 000, à 26, vous êtes 8, 28 000, Solène, 28, 28 000, l'enchère à 28, j'ai maintenant 30, à 30 000, 2, 32 000, 32 000, vous êtes à 32, 32, à 32 000, 5, 35 000, 35 000, nous sommes à 35, 35, à 35 000 euros, à 35 000 euros, vous êtes à 35, 35, Solène à 35, à 35, 35, voulez-vous 36 par ailleurs? J'ai 35, à 35 000, à 35 000, Solène, l'enchère à 35, 35, à 35 000, Solène, à 35 000 euros, à 35 000 euros, nous sommes à 35 000, suivons encore à 35, 35, à 35 000, Solène qui prend le relais à 35 000, si vous voulez, à 35 000 euros, à 35 000 euros, Solène, l'enchère à 35, 35, à 35 000 euros, down approach, à 35 000 euros, suivons, à 35 000 euros, 6 voulez-vous, j'ai 35 ici, Solène.
à 35 000 euros, merci. À 35 000 euros, last time. À 35 000 euros, bien vu. À 35 000 euros, merci. À 35 000 euros, c'est Solène. À 35 000 euros, fini ailleurs. À 35 000 euros, Solène toujours, down approach. À 35 000 euros, last time, dernière fois. À 35 000 euros, on a juste Solène. David Redverse, thank you, sir. Merci pour cette saillie de down approach. Merci au Cheikh Mohamed Al Maktoum qui l'a offerte. Nous vendons maintenant une saillie d'Elusive City, offerte par le syndicat Elusive City, qui fera la montre bien sûr au Haras des Truands. Le petit-fils de Mr. Prospector, magnifique cheval bai, semblant, qui transmet, vous le savez, son modèle, sa vitesse, sa précocité. Rappelons qu'Elusive City était lui-même un très bon 2 ans, vainqueur du Morny, et sa production de 2 ans était particulièrement éloquente, en particulier l'année dernière, avec V2 qui a gagné le prix du bois, avec Kiram qui a gagné le critérium de Maison Lafitte. Il faut se souvenir également de la classique Elusive Wave, gagnante de la poule d'essai des Pouliches. Et il faut aussi rappeler qu'Elusive City connaît un très grand succès en hémisphère sud, puisqu'il a longtemps officié dans cette partie du globe, et il a de nombreux gagnants de groupe 1 là-bas, encore 3 nouveaux gagnants de groupe 1 dans l'hémisphère sud en cette année 2014. Elusive City donc, offert par le syndicat Elusive City au Haras des Truands. Elusive City, le père de la classique Elusive Wave, mais aussi de nombreux vainqueurs, de nombreux 2 ans. Un poulain, un étalon qui produit précoce, combien offre-t-on pour débuter pour Elusive City? 8, 8, 5, 5 000, 5 000, j'ai à 5 000. À 5 000, Solène, j'ai à 5 000. À 5 000, suivons 5 à 5 000. À 5 000 euros, Elusive City, 5 à 5 000. À 5 000, à 5 000, suivons 5 à 5 000. Qui prend le relais de 5, 6, 6 000, 6 000. Vous êtes à 6, à 6, 7, 7 000. À 7 000, l'enchère 7, à 7 000. À 8 000, vous êtes maintenant Elusive City, 8 à 8 000. À 8, 9, 9 000. 9 000, Solène, l'enchère à 9 000. Vous êtes 9, à 9, 10, 10 000. À 10 000, à 10 000, à 10 000. Vous êtes à 10 000, voulez-vous 11 à 10 000, j'ai 10 000. À 10 000, Solène, l'enchère à 10, à 10 000. Suivons 10 à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, suivons encore à 10 000. Bien vu à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, Solène à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, encore à 10 000, bien vu. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est David Redverse qui a acheté pour 35 000 euros la saillie de Down Approach qui a été offerte par Cheikh Mohamed Al Maktoum. Down Approach fait la montre depuis cette année en Irlande à Kildaganstead et la saillie d'Elusive City risque fortement d'être adjugée à 10 000 euros dans un instant. À 10 000 euros, le père d'Elusive Wave. La saillie d'Elusive City est offerte par le syndicat Elusive City. Il fait l'amende, bien sûr, au Haras des Truands. On l'a juste. Solène, 10 000, merci. 10 000 euros pour Elusive City. Nous enchaînons avec Equiano. La saillie est offerte par New Sales Park Studs et James Hitchson. Equiano, fils d'Acclamation, qui a été un exceptionnel sprinter, qui a eu une carrière très longue et qui a d'ailleurs réalisé l'exploit de gagner 2 fois les Kingston Stakes, groupe 1. À 2 années d'intervalle, et ça n'était jamais arrivé depuis plus de 75 ans, je crois. Cheval qui a été très précoce, puisqu'il gagne 2 fois à 2 ans, il était même 3e du critérium de Maison Lafitte à l'époque, et particulièrement résistant et endurant, et puisqu'il termine sa carrière à 5 ans, justement, sur cette 2e victoire dans les Kingston Stakes. Ses premiers produits ont 2 ans, dont 3 chevaux de Stakes, dont entre autres un cheval qui s'appelle Strathburn, qu'on a vu en France, 2e du prix Robert Papin Equiano, qui fait la montre, bien sûr, à New Sales Park Stud. Equiano, fils d'Acclamation, cheval avec beaucoup de vitesse. Ses premiers produits ont 2 ans. Il a déjà 3 chevaux de Stakes. Combien offre-t-on pour débuter? Cheval consistant, dur et vite, fils d'Acclamation. Combien débute-t-on? 5 000, 5 000 euros, 5, qui m'appelle à 5 000, j'ai bien sûr à 5. À 5 000, Pierrick, 5 à 5 000. À 5 000, qui prend le relais de 5 à 5 000. À 5 000, à 5 000, suivons 5 à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000 euros, 6, 6 000. 6 000 euros à 6, qui m'appelle au-delà de 6 à 6 000. Et Kiano à 6 000, à 6 000, à 6, 7, 7 000, vous êtes 7. À 7 000 euros, à 7, 8, 8 000. 8 000, Dominique Lanchère à 8 000. À 8 000, vous êtes à 8, à 8 000, Dominique Lanchère à 8. À 8 000 euros, à 8 000 euros, et Kiano à 8 000. À 8, 9, Fresh Bidder à 9 000. Non? 9 000 ici. 9 000 c'était. 9 ou 10 maintenant? 9 là. À 9 000. À 9 000 ici. À 9 000 pas là-haut. À 9 000 euros. À 9 000 euros, Pierrick Langer à 9 000. J'ai à 9 000. Bien vu à 9 000. À 9 000 euros qui m'appelle.
à 9000 euros et Keanu à 9000. Last time, bien vu à 9000. Fini à 9000. Merci à 9000. À 9000 euros, dernière fois à 9000. Bien vu. À 9000 euros, la saillie des Keanu à 9000. Et on va juger à gauche à 9000. Pierrick, votre enchère à 9. À 9000 euros. À 9000 euros, le père d'un étalon dont les premiers produits à 2 ans sont vides. 3 black type déjà. À 9000 euros, last time. À 9000 euros, bien vu. À 9000 euros, last mile, dernière fois, dernière chance à 9000, bien vu. À 9000 euros, Equiano, fils d'acclamation, à 9000 euros. On a le juge. Pierrick, 9000, merci. 9000 euros pour Equiano à New South Park. Direction les États-Unis maintenant, dans le Kentucky, à Airdrie Stud. Il y a évasive d'abord. Il me manque évasive. Pardon. Oui, on va faire évasive avant include, pardon, de cette inversion. Évasive, offert par monsieur Samuel Blanchard, fils d'Elusive Quality, avec une mère par Stormcat, la famille de Miesque. Évasive qui a fait honneur à son pédigré en piste, puisqu'il gagnait groupe 3 à 2 ans. Il transmet son modèle imposant. Il connaît dès le début de la saison 2014 un bon succès avec sa première génération de 2 ans en piste cette année, ayant produit entre autres Evasive's First, qui a gagné la Listed, prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles, et le prix des Chênes, groupe 3. Et il a produit également cette année Piment Rouge, qui a gagné la Listed, prix de la Hante. Évasive, qui fait la monte au haras de Grand Camp, offert par Samuel Blanchard. Évasive, un fils d'Elusive Quality. Première production, 2 ans, en 2014. Deux Black Type. Un étalon qui s'avère devoir être améliorateur vraisemblablement, deux bons black type dont Evasive First qu'on a vu le faire avec beaucoup de facilité dans le prix des chaînes, Piment Rouge également avec du potentiel. Combien offre-t-on pour débuter pour la saillie d'Evasive? 3 pour débuter, 3000 euros. 3000 euros, j'ai bien sûr à 3, 4, 4000. À 4000, l'enchère 5. Alors les derniers résultats, comme je l'avais dit, 10000 euros pour la saillie d'Elusive City. 6000 à 6000, et solaire. 9000 euros pour Equiano, Equiano qui fait la monte depuis ses débuts à New South Park. À 6000 euros, Evasive à 6000. À 6000 euros. À 6000 euros, qui va au-delà de 6000 maintenant, Evasive à 6000. À 6000 euros. À 6000 euros. À 6000 euros. Alors, qui aurait pu acheter la série Equiano? J'avoue que j'ai perdu de fil. 5, vous avez. 6500. Entre-temps, 6500, vous êtes maintenant. Quoi qu'il en soit, on va suivre avec attention la vente de la saillie. Enfin, d'une saillie. À 6500, Évasive, la grande révélation en 2014 avec ses premiers 2 ans. Qui fait la monte au haras de Grand Camp, bien sûr, chez Eric l'Ermite. Samuel Blanchard, le donateur de cette saillie. Voulez-vous à 6500, on vous vendons à 6500, Solène, votre enchère. À 6500 euros, c'est 500 euros supplémentaires par rapport à son prix de saillie de l'an prochain. Pas d'erreur, ce qui fera la monte tout simplement à 6000 euros pour l'un vivant, Évasive. 6500. On la juge. Solène, 6500, merci. Alors Solène, on va la suivre avec attention. Elle est placée. Cette fois-ci, nous présentons bien à sa place habituelle, bien sûr. Talon qui officie aux États-Unis, donc à Airdrie Stud. C'est Guy Parfiante qui soutient aussi notre cause et que nous remercions. Je crois bien, oui. Il est de dos. Il est un fils de Podbrush. Oui, c'est bien ça. Qui présente. Les monsieur Guy Parfiante qui a acheté la saillie d'Evasive à 6500 euros. Et de Northern Dancer d'une part et de Mister Prospector d'autre part. Ce qui facilite évidemment son croisement et qui propose un choix nouveau. Là encore, un cheval très endurant qui a été titulaire de 10 victoires tout au long de sa carrière. Qui s'est alors, Include un cas très particulier. Confirmé. Il fait la monte Kingman à Airdrie Stud, c'était aux États-Unis. 2014. Les donateurs sont Include, les époux Preston Jones. Include, un fils de Broadwash. Et Include fera la monte l'an prochain à 10 000 euros la saillie, Lifefall. $10,000 plutôt. 5 000, j'ai 5 000, Dominique. 5 000, 6, 6 000, j'ai 7. 7, vous avez Pierrick. À 7 000, j'ai Pierrick. À 7 000, 8, j'ai 9. Allez, il a 9 000, déjà. À 9 000, Pierrick. À 9 000, Pierrick, l'enchère à 9, nous sommes Pierrick. 10, Dominique. À 10 000 euros. À 10 000 euros, j'ai Dominique, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, nous sommes à 10, à 10 000, plus là. À 10 000 euros. À 10 000 euros, plus là non plus. À 10 000 euros. À 10 000 euros, l'enchère, broche à 10 000, include à 10 000. À 10 000 euros, bien vu à 10 000, fini à 10 000. À 10 000 euros, nous sommes à 10, bien vu à 10 000. À 10 000 euros, pas de regret à 10 000, include. À 10 000 euros, last time, dernière fois à 10 000. À 10 000 euros, merci. À 10 000 euros, pas là. À 10 000 euros, dernière fois. À 10 000 euros. On la juge, Dominique.
Georges Rimaud, merci. 10 000 euros. 10 000 euros donc pour Include, merci. Nous enchaînons avec Ken d'Argent, offert, cette saillie est offerte par le syndicat Ken d'Argent. Attention, Ken d'Argent, le carnet de balle de Ken d'Argent est plein. Et c'est donc une dernière occasion de pouvoir s'offrir une saillie de celui qui est un leader maintenant, incontesté, leader français et européen. L'une des grandes révélations du parc des talons français de ces dernières années, qui a encore confirmé au plus haut niveau en 2013, en 2014, le croisement de deux chefs de race, Kendor et Linamix. Et la génération des deux ans l'année dernière avait été particulièrement époustouflante. Et puis cette génération 2014 de deux ans est aussi un grand cru, avec entre autres Ken Fries, qui a gagné le prix Roland de Chambure, Ken Ouska, qui est troisième du prix Miesque Group 3, Goken, qui est gagnant du prix du bois et troisième du critérium de Maison Lafitte. Bref, une opportunité unique maintenant de pouvoir vous offrir une saillie de Ken d'Argent qui fait la montoire à Colville. Ken d'Argent, le père de Restia d'Argent, Goken cette année, Kenop l'an passé, tous vainqueurs de groupe, digne successeur de Kendor, combien offre-t-on donc pour débuter pour la saillie de Ken d'Argent? 15, 15, 15, 10 pour débuter bas, 10, 10 000, 10 000 euros, qui m'appelle à 10, bien sûr j'ai à 10, 10, tout ça, 10, 11, 12, j'ai ici, 13, votre enchère, 13, 14, 14 000, 14, 15, j'ai à 15 000, 16, 17 000, j'ai ici 17, à 17, Solène, j'ai 17 000, à 17 000, à 17 000, 18, 20, 20 000, vous êtes à 20 000, 20 000, votre enchère, Ludovic, à 20 000, nous sommes 20. À 20 000 euros, Ludovic, l'enchère à 20. À 20 000, vous êtes à 20. À 20 000 euros, Ken d'Argent, à 20 000. À 20 000, plus là. À 20 000, T1, voulez-vous? À 20 000, j'ai. À 20 000, nous sommes par Ludovic à 20 000. À 20 000, merci de votre aide ici à 20 000. T1, 21 000, j'ai. À 21 000, par moi. À 21 000, à gauche, mon enchère à 21. À 21 000, plus là. À 21 000, dernière fois à 21 000. À 21 000, last time, à 21 000. À 21 000, Ludovic, c'est bien vu, fini, pas 22. À 21 000, j'ai mon enchère à gauche, à 21 000, dernière fois. À 21 000, fini, last time. À 21 000, dernière chance, bien vu. À 21 000, dernière fois. À 21 000, on va juger. À 21 000 euros, on a juge. Andreas Pouch, Arad Saint-Père, merci. Merci beaucoup pour cet achat de la saillie de Ken d'Argent. Nous continuons avec l'un des chevaux qui nous a fait particulièrement rêver cette année, le champion Kingman. Kingman offert par Judmond Farm. Quel crack. Cette année, il a d'ailleurs été désigné Cartier Horse of the Year. Meilleur poulain de 3 ans cette année 2014. Un rating de 134. Avec 4 victoires de groupe 1 cette année. Les Guinées irlandaises, les St. James Palace Stakes, les Sussex Stakes. Et il a été particulièrement impressionnant dans le prix Jacques Lemarois, ici même à Deauville, cet été. Le champion Kingman, fils d'Invincible Spirit, qui a marqué cette année 2014, puisqu'il est aussi le père de Charm Spirit. On vend ici un droit d'accès à cette saillie, puisque l'étalon Kingman est plein. Et donc c'est une option d'achat, en quelque sorte, que nous vendons. Kingman, offert par Judmond Farm. Donc, je le répète, il ne s'agit pas de la saillie, il s'agit d'un droit d'accès aux conditions normales de Kingman, qui est à 55 000 livres, special life all. So it is the right to send a mare at the official condition of Kingman. C'est une option. Le cheval est plein, c'est une option. Donc, on débute à 5 000 euros, qui m'appelle à 5 000. À 5 000 euros, 5 000, j'ai ici. À 5 000 euros, 6 ici. J'ai 6 devant, 7 solennes. Une saillie tout à fait exceptionnelle qui est proposée ici, c'est celle de Kingman. 10, j'ai derrière. Alors, sur le programme, il y a un petit astérisque. Pourquoi il y a un petit astérisque? À 12, 13. Étant donné que l'étalon est déjà plein pour la saillie, pour la saison de monte 2015. À 15 000, vous êtes l'enchère. Judmond Farm, donc le donateur de la saillie de Kingman, a néanmoins offert une saillie. C'est plutôt un droit d'accès, voilà. Judmond Farm a offert un droit d'accès à une saillie de Kingman, puisque le cheval est déjà plein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, outre les, pour l'instant, les 22 000 euros dépensés par l'acheteur,
L'acheteur final devra payer, devra s'acquitter du prix de Saïd, de Kingman. Il doit être autour des 50 000 livres pour 2015. Donc Kingman qui fait ses débuts, ses grands débuts des talons. À 30 000 lancers. Il a époustouflé le mile européen cette année, fils de Yves et Sébastien Spirit. 32 000, vous êtes à 32. Il avait notamment gagné le prix Jacques Lemarquois, ici même à Deauville. 32 000, j'ai. À 32 000, merci de votre aide. À 32 000, votre enchère à 32 000, last time. À 32 000 euros, par nous à 32 000, bien vu. À 32 000, Ludovic, et on va adjuger à 32 000, fini. Dernière fois, dernière chance. À 32 000 euros, Ludovic, votre enchère. À 32 000 euros, merci de votre aide. À 32 000 euros. À 32 000 euros, c'est Ludovic. Non, non, non. 32 000, c'est Ludovic. À 32 000, bien vu. À 32 000 euros. On a joué. Too late. 32 000 euros. Vous avez gagné donc le droit d'acheter une saillie de Kingman, le champion. 32 000 euros, vous avez... Merci beaucoup. Vous avez le droit d'acheter maintenant une saillie à 50 000 livres, la saillie. Pour vendre... Après avoir déboursé 32 000 euros, une saillie. 50 000 livres supplémentaires, encore une le fois. Havre, grâce. C'est Anthony Straut qui signe le bon, donc à 32 000 euros. Bravo à Anthony Straut et merci beaucoup à Anthony Straut pour sa générosité au profit de l'association Sauvegarde des Terres d'Élevage. Démonstration impressionnante de Le Havre qui nous a tous marqués cette année tant les moments ont été... Ah. Avec les moments étaient forts, le moment sera peut-être fort et dans le prix de Diane, sur le ring maintenant, puisqu'on saillit, a gagné le prix, on saillit pas, mais aussi on vend la saillie, une saillie, issue de Le Havre, tellement rares, désormais, Slaoguette et bien celle de et aussi des deux, Le Havre, des deux ans comme Queen Bee, qui a remporté le prix du Calvados. Succès de Le Havre sur les hippodromes, succès de Le Havre ici même sur le ring des ventes d'Arcana. C'est un événement tête police que nous vendons maintenant et il est plein, donc c'est la dernière occasion de nous voir. Ça fait une saillie de Le Havre. Tom Felsayer, l'un des meilleurs canons ici, Le Havre, le champion de Le Havre, le père de la vie, certains bien sûr, il vient de Black Tide, il vient de la vie ici, et au début de la combien 20 000, toi, tu m'entends quand je parle. Oui. Tu entends que tu entendras ce que je dis. Oui, aussi, oui. À 22 000 euros, Le Havre. À 22 000 euros, 24 000, toujours la même. 24 000, 26 000. À 26 000, à 26 000, 28 000. 28 000, à 28 000 euros, le Top Stallion, Le Havre. À 28 000 euros, Solène, votre enchère, à 28 000. À 28 000 euros, à 28 000 euros, c'est Solène, l'enchère, Ludovic, je ne vous entends plus, à 28 000. À 28 000 euros, l'enchère est là-bas. À 28 000 euros, c'est Solène, l'enchère, bien sûr, à Le Havre. À 28 000 euros, le père de Havre, certain, la championne. À 28 000 euros, 28 000 euros, we are sitting now. À 28 000 euros. Alors je suis dans la salle avec Olivier Corbière, Arras Dupin, un endroit qu'on connaît bien, de Arras dans le pain. Voilà, je suis fatigué. Bon, effectivement, vous me disiez là, on compte les sous. Alors qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ces saillies? Il y a des gros besoins pour les avocats et voilà, c'est la lutte finale maintenant. C'est la lutte finale. Là. Alors, il faut qu'on arrive à gagner cette année. Il faut qu'on gagne. Il n'y a pas à dire. Alors mercredi, vous avez fait une sacrée opération en partant de chez vous. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On veut tout savoir. On s'est caché dans trois bétaillères et puis on a débarqué sur le site alors que j'attendais Arras Dupin. Alors le colonel de gendarmerie était fou furieux. Il s'y attendait pas à ce coup-là. C'était marrant quoi. Démonstration au mois d'octobre puisqu'il a sorti son premier cheval. Comment va le moral? Quels sont aujourd'hui vos attentes? On les connaît, mais comment est-ce que chaque jour on continue à aller au front et à se motiver et à y croire? Bien parti, je pense que maintenant. Je pense que beaucoup de gens se motivent maintenant, même des gens du pays, partout. Comme l'eau est menacée, ça a un gros impact l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des relais politiques qui sont un peu plus hauts? Est-ce que Madame Royal s'est enfin prononcée? Est-ce que ça bouge? Pas encore Madame Royal, non. Enfin bon, ça devrait se faire un jour, j'espère. J'espère. Le père de Bellardo. En tout cas, ça fait plein d'argent à venir là pour. À quoi ça sert essentiellement? Donc à payer les frais de justice. La justice. Oui. Bon et bah plein de courage. Dur. Enfin, je pense qu'on va y arriver quand même. L'espoir y est. Oui, l'espoir y est. Oui. Merci Olivier. 14
22 000, à 14 000, oui, 15 000, à 15 000 euros l'enchère, à 17 000, à 17 000, à 17 000 euros l'enchère, à 17 000, à 17 000, à 17 000 euros, qui met 18 000, mettez 18 000, 17 000, à 17 000, à 17 000 euros, mettez l'empêche des Vegas, à 17 000 euros l'enchère, à 18 000, à 18 000 euros là, au l'enchère, 20 000, à 20 000 euros maintenant, 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000 l'enchère, à 20 000 euros l'enchère est en bas, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros il est parti, à 20 000, à 20 000 euros l'enchère est là, à 20 000, à 20 000 euros pour l'accès à l'Open et Vega, à 20 000, à 21 000, 21 000 euros nouvelle enchère, c'est à 22 000, 22 000 mon enchère, à 22 000, à 22 000 euros l'enchère, à 23 000, à 23 000 euros l'enchère là-haut, à 23 000 euros, à 23 000, à 23 000 euros, bip, wait, 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 23, 23, à 23, monsieur, 24 pour la bonne cause, à 23 000 euros, merci de votre aide dans tous les cas, à 23 000 euros l'enchère est là-haut et vous êtes battu, à 23 000 euros, l'accès ici pour l'eau. 23 000 pour l'Open de Vega. Alors, c'est même cas que Kingman, les talons étant pleins pour la saison 2015. Sylvain Vidal, merci beaucoup, monsieur. Sylvain Vidal signe une nouvelle fois, une seconde fois. Merci à Sylvain Vidal. Enfin, pour l'instant, une deuxième fois. Seconde, on dit ça quand c'est quand il n'y en a plus après. Nous enchaînons avec Sylvain Vidal est tout à fait en haut. Notre envoyé spécial, Lisa Lopé, alias Lily Water, alias je ne sais plus quoi, va rencontrer Sylvain Vidal tout de suite. McPhee. On passe à McPhee d'abord. McPhee, si vous voulez. Ah oui. McPhee, pas de problème, McPhee. McPhee, le champion miler, McPhee, champion mariler, vainqueur du Jacques Le Marois, offert par Qatar Bloodstock, que nous remercions ici. McPhee qui arrive en France, McPhee qui fera la monte en 2015 au Harald Bonneval. Formidable champion du monde sur le mile, par le très recherché de Barry, et qui arrive maintenant. Ses premiers deux ans, on les a vus en piste cette année. Ils sont placés de groupe 3 et de listed en 2014, avec un excellent ratio de 38% de gagnants par partant. C'est le père, entre autres, du récent gagnant de listed race, Cornellville. McPhee. Allez, je suis avec Noël, Sybille et Sylvain. Les enchères sont en cours. Je crois que ça marche super. Bien, ça marche bien. Moi, je suis vraiment surprise de la générosité des gens. De, bon, là, pour avoir le droit d'aller à la saillie, de payer déjà 23 000 euros, moi, je trouve ça fantastique. Fantastique. C'est génial ce qui nous arrive aujourd'hui. Très bien. Quels sont les retours des gens, justement, des chevaux que vous connaissez bien, qui connaissent bien le projet? Comment se mobilise-t-il avec vous? Bon, financièrement, on le voit, mais autrement, tous les jours. Alors, sur place, il y a beaucoup de mobilisation. On a encore vu ça hier, avant-hier, avec la manifestation qu'on a fait. Il suffit de claquer des doigts et on arrive à être 100 personnes sur place. Et il y a surtout, maintenant, une ambiance qui est presque, j'allais dire, rageuse. Maintenant, ça y est, on sent qu'on n'est pas très loin du but. Donc, vraiment, les gens s'investissent énormément. 18 000 euros. Et ben, on continue à suivre les enchères et on espère que ça va, monter. À 18 000 euros. Voilà, bonjour Sylvain. Nicolas Chambure, merci. Canirola Bloodstock, votre enchère. Solène, arrête d'être là. Bon, on est en direct, on stream cette vente aux enchères parce qu'on estime que c'est très important. Comment est-ce que la Covinière se positionne d'ailleurs justement sur ce dossier sur ce dossier, on va dire, compliqué? Oui, non mais ça pourrait tous nous arriver, ça pourrait nous arriver à côté de chez nous. En plus on est proches, on est quasiment voisins, on habite à 10 minutes les uns des autres, donc c'est une cause qui nous touche à cœur. C'est important, et puis pas simplement pour les chevaux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des écoles à côté, des enfants, il y a des familles, c'est... Voilà, qu'on respecte un peu la nature, il n'y a pas que le fric dans la vie, quoi. Oui, d'accord, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup cheval, mais c'est vrai que l'environnement, c'est quand même une question qui nous concerne tous, quoi. Bien sûr, non, puis ça doit tous nous toucher, et enfin, nous, ça nous touche, l'équipe de la Covinière et Gérard-Augustin Normand, donc on a voulu faire un geste. Bah, c'est un beau geste, alors pourquoi avoir choisi cette saillie plutôt qu'une autre? Bah, l'OP des Vegas, voilà, avec l'année qu'il a fait, puis on aime bien son courant de sang, c'est quand même un beau cheval, et puis il a fait une très belle année, et puis Anodin c'est pareil, c'est le frère de Goldikova, donc faut soutenir aussi la France, voilà, les vertébères soutiennent aussi nos étalons, donc voilà, et là et le Canet aussi, le Ras du Canet aussi, donc on se soutient mutuellement. Et bah bravo, c'est beau de voir toute cette solidarité. Merci à toi. 7000, 8000, 8000 euros. À 8000 euros, 9000, 9000 euros maintenant l'enchère là où à 9000, à 9000 euros. À 9000 euros votre enchère Solène à 9000, à 9000 euros Dominique c'est contre vous à 9000. À 9000 euros, à 9000 euros c'est Solène qui tient l'enchère à 9000, à 9000 euros l'enchère. À 9000 euros, à 9000 euros Solène c'est votre enchère à 9000 euros, bien vu l'enchère est là où à 9000. À 9000 euros c'est sûr. À 9000 euros l'enchère est tout là où l'enchère, pas de regret, pas d'erreur à 9000. À 9000 euros, c'est encore 9000 euros, bien vu l'enchère. Oui, 10000, nouvelle enchère est sûre à 10000, à 10000 euros maintenant. À 10000 euros en bas l'enchère est à 10000, à 10000 euros mettez 11000.
11 000 pour la bonne cause, monsieur. 11 000. À 11 000 euros l'enchère, à 11 000, à 11 000 euros. À 11 000 euros l'enchère est là. À 11 000 euros, pas par 500, voyons, monsieur. À 11 000. À 11 000 euros l'enchère est là-haut. À 11 000. À 11 000 euros, mettez 12 000. Voulez-vous 12 000, Ludovic? Que disent les trois frères? 11 000 euros l'enchère, les trois frères, non? À 11 000 euros l'enchère. Alors, les trois frères, c'est fini, messieurs. Merci de votre aide pour les trois frères. Enchère en haut à gauche. Bien vu, fini. On a le juge. Le Haradi Aubenay, merci monsieur Baudouin. 11 000 euros, votre enchère là-haut, solenne. Bravo et merci pour cette saillie de Martaline. Le Haradi Aubenay à 11 000 euros, la saillie de Martaline, donc. Et les trois frères qui sont battus, ce sont les trois frères Poel. Rappelons que Maxio, c'est d'abord le frère utérin. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne pouvait pas mettre plus. Fils de la double gagnante de groupe, un coup de génie. Grande famille qui produit des étalons. Les étalons machiavéliens, Ocean of Wisdom, Exit to Nowhere. C'est la même famille ici. Il gagne son premier groupe 1 l'année dernière, à l'âge de 5 ans. Un petit peu sur le tard, mais il remporte le prix disparant en battant Planteur. Il est deuxième ensuite. Il gagne ensuite son deuxième groupe 1 dans le prix du Moulin de Longchamp avec un vrai combat contre Olympic Glory, contre Anodin, contre Steel Vendôme et d'autres étalons. Et donc les trois frères, Richard et Léo Poel et également Freddy qui travaille pour Arcana, donc sont présents tous les trois ensemble. Nous vendons maintenant donc une saillie de ce fils de Mansoun. Ah, Mansoun. Du son allemand. Maxios fait la montre d'ailleurs en Allemagne à Gestüt Verhof. Et la saillie est donnée par l'éleveur et propriétaire de Maxios, c'est-à-dire la famille Niarkos, Flaxman Stables. Fait la montre depuis cette année à 10 000 euros. L'an prochain, il sera également proposé au tarif de 10 000 euros. J'ai 10 000 en bas, monsieur. J'ai vu quelques Allemands qui sont déjà autour de la, du ring, là. Andreas Putsch, qui a son ARA en France, a déjà acheté tout à l'heure. Andreas Putsch, je vais vous dire, il avait acheté la saillie de Ken d'Argent à 21 000 euros. À 11 000 euros, nous vendons cette sur 11 000. Maxios, à 11 000 euros. À 11 000 euros, c'est sur l'Angéretta. Julien Dollard qui est là également. Julien Dollard qui travaille pour... UCS Parkstead, l'entité anglaise de Gestüt Verhof. 12 000 euros, nouvelle enchère, sera à 12 000, à 12 000 euros. À 12 000 euros, pardon. À 12 000 euros, l'enchère est en bas. À 12 000 euros, vous avez battu, monsieur. À 12 000 euros, c'est fini, monsieur. L'enchère en bas, pas de regret, c'est fini. Enchère ici, à 12 000 euros, bien vu. On a juge. 12 000 euros, on a juge. Agent suite, monsieur Bunel. Merci, monsieur. Monsieur Pariante, merci. 12 000 euros, votre enchère. Merci de votre... Monsieur Pariante, comme vous l'avez entendu, Guy Pariante, qui signe son deuxième achat de saillie après avoir acheté Evasive. Il achète donc pour 12 000 euros la saillie de Maxios. Le seul fils de choisir à faire la monte en France. Olympic Glory qui fait un champion dès l'âge de 2 ans en remportant le prix Jean-Luc Lagardère. Et une carrière riche de 4 victoires de groupe 1 avec les Locking Stakes, avec les Q2 et conclue par une victoire dans le prix de la forêt et de nombreuses places au plus haut niveau d'une manière générale tout au long de sa carrière. Olympic Glory, précoce, longévité et qui fera... Olympic Glory désormais. Dès 2015. Un autre jeune étalon qui fera ses grands débuts justement d'étalon dès la saison de monte 2015 donc. Olympic Glory, on a très bien connu en France. Il a gagné à 2 ans le prix Jean-Luc Lagardère, le grand critérium. Et à 4 ans, il y a 2 mois, quoi, il avait gagné le groupe 1 sur 1400 mètres, le prix de la forêt. Donc sur le même parcours que le grand critérium. Et entre temps, il a gagné 2 autres groupes 1, donc ce qui fait un total de 4 groupes 1 pour Olympic Glory. Il fera la monte au Hara de Boukto. Et la saillie est offerte par Sheikh Johan Binama d'Altani, bien sûr. À 22 000 euros, l'enchère est à Solène. À 22 000, à 22 000 euros, là, l'enchère Solène. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Olympic Glory est presque plein bien vu. À 22 000 pour sa prochaine saison de monte. Et sa première saison de monte, d'ailleurs. Glory, à 22 000 euros, le fils de choisir, top class winner, bien vu, fini, group one horse, à 22 000 euros. On a le juge. Merci Solène. Votre enchère, 22 000 euros. Toujours Solène, qui a eu le dernier mot. Merci d'avoir mis ici en jeu cette saillie d'Olympic Glory. Nous enchaînons, nous reparlons d'obstacles avec Sans Dessin, Rule of the World d'abord, décidément, et offert par Cool Mustard.
Winner of the world, le fils de Galileo. Et qui a signé le bon produit des étalons, la famille de l'étalon Happy Andy. Winner of the world, le gagnant du derby d'Epsom, comme son père, Galileo, est offert ici par Coolmaster. Lady Ori, qui s'est offerte à 22 000 euros une saillie d'Olympic Glory. Alors, Winner of the world maintenant. Another group one winner here. We are sending the winner of the Epsom. Et sit down. Et donc, Epsom Derby winner, group one winner. Lovely, super fils de Galileo. Le fils de Galileo, le champion fils de Galileo. Nouvelle saillie de prestige. On débute à combien ici? Est offerte par Coolmore cette fois-ci. 15 000. Coolmorestud nous 12 000, permet 12 000, d'acheter 10 000, une saillie. 10 000, j'ai preneur à 10 000, à 10 000 euros, mettons en chair à 10 000, à 10 000. Du gagnant du derby d'Epsom 2013, c'est Ruler of the World, également gagnant du prix foi cette année, Ruler of the World, qui est monté par Lanfranco de Tori. À 11 000 euros, mettez 12 000, Ludovic à 11 000, à 11 000 euros, à 11 000 euros, 12, 13 000, 13 000 mon enchère, Ludovic contre vous. À 13 000. Alors Ruler of the World fera la monte à 15 000 euros, la saillie, à 14 Special Life Hall, donc il fera ses lui aussi. Ses débuts d'étalons en 2015. Beaucoup de jeunes étalons, la plupart sont des jeunes étalons. Anodin, Darn Approach, Echiano, Evasive, Kingman, Lope et Vega également, Maxios, Olympic Glory, Ruler of the World. Et puis on va finir par 3 étalons. À 15 000 euros, c'est contre vous. Et oui, plus que 3 étalons déjà. Nous vendons à 15 000, à 15 000, à 15 000 euros, bienvenue. À vendre aux enchères, toujours au profit de l'association de sauvegarde des terres d'élevage de Nonant-le-Pin. Enchères à gauche par vous, Solène. 15 000 euros, c'est le prix de saillie, bien sûr, de Ruler of the World pour l'an prochain. Voilà, juge. Qui a eu le dernier mot ? Votre enchère, 15 000 euros dans le passage. 15 000 euros donc pour Winner of the World. Parlons donc cette fois-ci d'obstacles avec Saint-Dessin, offert par le Haras d'Étran, le meilleur père de gagnant de chevaux d'obstacles, tout simplement digne successeur de son père Cadoudal. Saint-Dessin, c'est une référence incontournable en obstacles et reconnue outre-Manche, père de multiples gagnants de groupe en France, à l'étranger, plus de 30 gagnants de stakes et la consécration cette année, puisqu'il a donné le vainqueur du Grand Steeplechase de Paris 2014, Storm of St. Lee. Saint-Dessin, offert par le Haras d'Étran. C'est le champion, le top étalon d'obstacles, s'il vous plaît, le père du gagnant du Grand Steeplechase de cette année de Paris. Le père de Storm of St. Lee, Saint-Dessin, bien sûr. Il ne produit que des vainqueurs. Vraiment, au Haras d'Étran. Dans sa production, que des cracks. Et on débute à combien ici? 10 000 direct, 10 000, j'ai preneur à 10 000, voulez-vous 10 000? 10 000 euros, allons-y, 10 000. Oui, à 10 000 euros, mettez en chair à 10 000, il y a des preneurs à 10 000. À 10 000 euros, 10 000. 8 000 alors? 8 000, oui, 8 000. 8 000 euros, l'enchère est là. 8 000 euros, c'est déjà pris par Michel Zirolo. 10 000, 10 000 euros, mettez 11 000, 11 000, 12 000. 12 000 la l'enchère, à 12 000 euros. À 12 000 euros, l'enchère est à Solène, à 12 000, à 12 000, à 12 000 euros. À 12 000 euros, c'est Solène qui tient l'enchère, à 12 000, à 12 000 euros. À 12 000 euros, le crack. Saint-Dessin. 12 000 euros, nous sommes et nous vendons à Solène l'enchère. À 12 000, à 12 000, 13 000, Dominique l'enchère. Non, Dominique? 12 000 euros, c'est toujours moi avec Solène. À 12 000 euros, Solène l'enchère. À 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, Solène. À 12 000 euros, là, l'enchère. Non? À 12 000 euros, Solène, votre enchère à 12 000. À 12 000 euros, à 12 000 euros, l'option de Joker, on passe un appel. À 12 000 euros, à 12 000 euros, que du téléphone. À 12 000 euros, c'est vendu. À 12 000 euros, Saint-Dessin. À 12 000 euros. Et au téléphone, non, en face. 13 000, il est revenu à 13 000. Ça, c'est plus en face, c'est Freddy Poet qui a l'enchère maintenant à 13 000 euros pour une saillie de Saint-Dessin. À 13 000 euros. Alors essayez. À 13 000. 14 000. Nouvelle enchérisseur à 14 000. À 14 000 euros. Ah, pour l'instant, on est battu. À 14 000 euros, l'enchère Solène à 14 000. Il y a de très fortes chances que ce soit Magdalene Bryant qui soit au bout du téléphone pour la saillie de Saint-Dessin, bien sûr. Monsieur, vous pouvez, hein? Pour votre jumenterie. Essayez. 14? 13, c'est en bas. Voulez-vous 14, monsieur? Non? Ah, on dirait que oui, quand même. 13 000 en bas. Fini? 13 000 euros, c'est là au téléphone. À 13 000 euros. Bien vu. Fini. Pas de regret, pas d'erreur. À 13 000 euros. Honnête juge. Monsieur Powell, merci beaucoup. 13 000 euros. Votre enchère, Madame Bryant. Merci beaucoup, Madame Bryant. Votre enchère. À droite, Ludovic. C'est bien, merci, Madame Magdalene Bryant qui a eu le dernier mot à 13 000 euros pour Saint-Dessin donc. La dernière occasion de pouvoir acheter une saillie de Siouni, offerte par le syndicat Siouni, le champion des Agacan Studs qui fait la montoire à Bonneval. Son carnet de balles est plein, la révélation de l'année 2014 pour le parc étalon français avec sa génération des premiers deux ans.
qui ont fait sensation aujourd'hui. Siyuni, c'est le quatrième étalon européen par le nombre de gagnants par partant, mais c'est le leader européen par le nombre de chevaux gagnants Black Type par partant, avec des chevaux comme Hervedia, comme Souvenir de Londres, comme Mockler's Hill. C'est l'étalon de première production qui a le plus de chevaux gagnants et placés de stakes cette année, avec 8 chevaux gagnants et placés de stakes. Encore un étalon champion de qui est plein déjà pour la saison 2015, c'est Siyuni. Et nous vendons la dernière fois, pour la dernière fois, la possibilité d'en acheter une. Ça y est. Et oui, puisque le cheval est plein, Siyuni, tout simplement. De façon, carnet de balles est plein pour la saison 2015. De pouvoir se procurer une saillie. Dernière chance. De ce champion, donc, fils de pivot. D'avoir une saillie. Père de nombreux vainqueurs, les points du jeune étalon Freshman Sire Siyuni, le père d'Hervedia. Deuxième du Marcel Boussac. Un groupe 1. Oui, 20 000 euros l'enchère à Solène à 20 000. À 20 000 euros Solène. C'est Nicolas de Chambure qui a de suite levé la main à 20 000 euros. Déjà battu à 22 000 euros. 23 000 euros l'enchère. Et là, 23 000, 24 000. 25 000 euros Solène. 26 000 euros là-haut. À 26 000 euros, 26 000 tout là-haut Solène. Sous la à 26 000, à 26 000 euros, mettez aux enchères, 26 000, 27. Alors pour l'instant, petite anecdote, le top price est à 35 000 euros pour Down Approach. Va-t-on dépasser 28, le fameux top price de Down Approach à 35 000 euros? À 28 000, 29 000, 29 000 euros, l'enchère à 29 000, à 20, 30 000. 30 000, vous êtes 3. 30 000 euros, mettez 32. 32 000. 32 000, l'enchère est là. 32 000. À 32 000 euros, l'enchère. À 32 000 euros, l'enchère est là. Au télé, à 32 000. À 32 000 euros, l'enchère. À 32 000. À 32 000 euros, 34 000. À 34 000. Les éleveurs de Dane Dream sont également là. Julia et Gregor Baum. À 35 000 euros, l'enchère. À 35 000 euros, c'est mon enchère là. À 35 000 euros, vous êtes battu, Dominique. L'enchère est en bas. À 35 000 euros. À 35 000 euros, le 36. C'est la même? C'est la même? 36. 37. 37 mon enchère. Solène, pas vous et pas Dominique. 37 000. À 37 000 l'enchère. Et là, bien sûr, à 37 000 euros. Laissez encore à 37 000. À 37 000 euros. 38. Merci, monsieur. 38 000 euros. Je vous aurais bien proposé 40. Mais 38, c'est en bas. On a dépassé le top price. On est à 38 000 euros. Siyuni, nouveau top price de la vente. 000, bien sûr, à 39 000 euros, il est revenu à 39 000, à 39 000 euros, au chapeau. À 39 000 euros, à 39 000 euros, l'enchère est là. Ah, chapeau, serait-ce... 40 000 euros, à 40 000 euros, l'enchère est tout là-haut maintenant, à 40 000. Et c'était Andreas Pouch, qui a été battu, désormais, qui est battu. À 40 000 euros, l'enchère... Il y a Mathieu Laguzon-Garros qui est également là, Loïc Malivet. C'est fini en bas, je vais devoir la juger à 40 000 euros. Bien vu, fini, pas de regret, monsieur, enchère là-haut. On est juge. Monsieur Richardson, Arad Fresnel Buffard, 40 000 euros. Merci beaucoup. Tim Richardson, 40 000 euros. 40 000 euros. Bravo, bravo. Là, ça y est, Siyuni. Nous vendons maintenant. Merci, monsieur Poch, pour votre support. Merci de vos enchères. Nous vendons maintenant la dernière saillie. Après, il y aura un voyage également. Eh oui. Nous vendrons aux enchères. Nous vendons une saillie. 18e. Non, qu'est-ce que je dis? Une 19e saillie à gagner. Gagnant de groupe 3 également. Et placé 4 fois dans des groupes 1, la July Cup, placé des St. James Palastakes, placé des Queen Anne et placé du prix Jean Prat. Un cheval qui a eu beaucoup de combats difficiles, qui a battu 15 chevaux de groupe 1, dont Animal Kingdom, dont Gordon, Lord Byron. Et nous vendons donc une saillie grâce au National Stud, une saillie de cet étalon Grégorian. Grégorian, donc, pas de vidéo, pas d'erreur, donc ce fils... de Clodoville et un Mercado généreux, gagnant de groupe, bien sûr, 4 fois placé. L'excellent Grégorian, qui est un rajout de dernière minute, une sorte de wildcard pour cette vente d'exception. Toujours en, bon pedigree, au profit de l'association sauvegarde des terres d'élevage de Nonant-le-Pin. Donc Grégorian, à combien de minutes pour Grégorian? 5 000. Grégorian est un fils de Clodoville, multiple gagnant de groupe. 5 000 euros, mettez en chien à 5 000. 5 000, bah oui, mais Ludovic, 3 000 alors. Merci Ludovic, 3 000. 3 000 euros, Ludovic est à 3 000. À 3 000 euros, c'est Ludovic à 4 000. 4 000 euros l'enchère. À 4 000 euros, 5 000, 5 500. 5 500 là-bas. À 5 500 l'enchère. À 5 500, c'est là-bas l'enchère Solène. À 5 500. À 5 000... Et Grégorian fera ses débuts de carrière d'étalon l'an prochain, donc. C'est la même. Son père Vertla, pas son. Son grand-père, c'est. Non, même pas son. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. À 6000 Grégorian est un fils de Clodoville. Clodoville qui est un Daniel. À 6000 euros. Et Clodoville fera la monte à 10 000 euros l'an prochain, la saillie. L'enchère, bien vu. Et la saillie Grégorian est d'ailleurs offerte par The National Stud. 6000 euros. L'enchère ici. À 6000 euros. Non?
à 6 000 euros. Alors on fait les comptes. On adjuge. 6 000 euros. Monsieur Bozo, merci beaucoup. Votre enchère Solex. Meridian Bloodstock. 6 000 euros, c'était la dernière saillie. Une très bonne vente, effectivement. Une très bonne vente. L'année dernière. 339 000 euros. Un voyage en et 500. Un séjour de 10 jours euros également ont été déboursés pour 19 saillies d'étalons au profit de l'association Sauvegarde des Terres d'Élevage de Nonalpin. Messieurs et dames, ça mérite un hurrah, des applaudissements, bravo, bravo, bravo. Lise, tu peux faire des bruitages d'applaudissements s'il te plaît. Seuls les vols et les extras sont à merci, merci. On va aller chercher exactement. Magnifique. Pour les prochaines ventes, c'est Méridian International, c'est ça? Méridian International qui a signé ouais, le bon. Lovely trip. Et j'ai dit Kylian Bozo donc pour Grégorian. 3000 euros. Merci monsieur à la casquette au bar. À 3000 euros. À 3000 euros une enchère. À 3000 euros. 4000. 4000 euros l'enchère. 5000. 6000. 6000 euros. À 6000 euros l'enchère. 7000. 7000 euros Solène à 7000. À 7000 euros l'enchère. À 7000 euros l'enchère est à Solène à 7000. À 7000 euros allons-y. 8000. Bien sûr monsieur. 8000 euros. À 8000 euros l'enchère. À 8000. À 8000 euros l'enchère est là. 8000. À 8000 euros. À 8000 euros contre vous Solène. À 8000 euros. À 8000 euros point. Lovely trip. 9 000 euros, essayez encore monsieur, 9 000 euros, un beau voyage ici, à 9 000 euros, à 9 000 euros l'enchère est à Solène à 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros l'enchère est à Solène à 9 000, regardez-moi monsieur, 500, non, madame, 9 000 euros, beau voyage, à 9 000 euros ça fait rêver, hein. Moi je vous le dis, à 9 000 euros mais c'est pas pour vous, eh oui, à 9 000 euros vous le perdez, à 9 000 euros c'est Solène l'enchère. Alors 500, oui ou non monsieur? Non, il a dit non. À 9000 euros, pas de regret. À 9000 euros, je vais la juger pour 9000. Lovely trip. 9000 euros, toujours pas monsieur? L'année prochaine pour vous. À 9000 euros, bien vu, fini. Solène l'enchère. À 9000 euros. Bon voyage, on le juge. Solène, 9000 euros, votre enchère. 9000 euros pour cette dernière enchère. Merci beaucoup. Merci à 9000 euros, c'était un voyage de mémoire en effet. À gagner. Et vous pouvez applaudir tous les généreux donateurs. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo à tous les acheteurs et tous les donateurs également de ces saillies d'exception. Petite précision, merci monsieur Honoré. Ah, Domel, bon voyage et n'oubliez pas la carte postale. Ah, c'est Hubert Honoré, donc comme vous l'avez compris. Merci à tous les qui a acheté le voyage à 9000 euros. Donc. Marilyn. Je crois que c'était en Afrique, c'était en Tanzanie, pour s'offrir un voyage d'une semaine. Cet après-midi, mais on pense bien à lui. Il mène avec tout le monde un combat très difficile, un combat qui est très prenant, le combat d'une vie presque. Et donc, je crois qu'on a envie de remercier tout le monde, évidemment, Marilyn. Merci Jean-Baptiste. Je vais le dire en anglais parce qu'on a beaucoup trop parlé en français ce soir, même si on est en France. So thank you so much to the past and present contributors. This really means so much to us, and it is it's the battle of a lifetime. And from the bottom of our hearts, we thank you, thank the contributors, the buyers, Arcana for organizing it, the media, the press for relentlessly relaying our message, and we trust that 2015 will be a pivotal year and that we are going to rid ourselves of this invisible and powerful enemy. Thank you so much. Merci Marilyn, bonne chance pour la suite, bon courage pour la suite du combat. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée ici à Deauville et à demain pour la suite. Et la soirée n'est pas finie puisque Lisa Lopé est allée chercher Noël Sandoz. Noël Sandoz, la présidente de Nonan Environnement. Et de l'association de sauvegarde des terres d'élevage. Donne le micro. À toi Lily. À vous Noël. Bon, on va regarder par là. Bon Noël, ça y est, c'est fini. On vient de faire le total. 348 500 euros. Énorme. C'est fantastique. Je suis un peu émue. Ouais. Comme l'année dernière, on se lasse pas des bonnes nouvelles. Et je trouve que ce monde du cheval qu'on dit égoïste, individualiste, il a prouvé encore aujourd'hui que c'était pas ça et que c'était une grande famille. Ça c'est vrai que, non mais au contraire, c'est beau un peu d'émotion, c'est normal. Alors rappelle-nous à quoi va servir cet argent.
On est au milieu du guet, hein. Il faut qu'on sorte de ce guet, hein. Il faut encore qu'on avance sur le plan judiciaire. On a énormément de travail à faire. On a encore de nouvelles idées à mettre au tribunal. Et il faut qu'on se batte. Donc, on a des avocats à payer. On a des conseils en communication à payer. Tout ça, ça coûte très cher. Et si on n'avait pas ça, on serait déjà battu depuis longtemps. Mais je pense que maintenant, on arrive à la fin et que je pense que c'est la dernière année qu'on va solliciter le monde du cheval, j'espère. En tous les cas, je l'espère bien. Bah, de toute manière, on voit bien que vous rebondissez d'idées toutes plus folles les unes que les autres. Oui. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qui s'est passé mercredi. C'est formidable. C'est quelle action? Oui. Ah, mercredi, c'était formidable. On a fait une opération cheval de Troie. On avait convoqué tous les membres du FRO pour faire une manifestation au Haras du Pin. Et puis, quelques-uns étaient dans le secret. Au dernier moment, on était tous réunis chez Olivier et Corbière. Et en secret, on leur a dit, vous savez, on ne va pas au Haras du Pin, on vous emmène ailleurs. On n'a pas eu besoin de leur dire où on allait. Ils nous ont tous suivis. On les a fait monter dans des vents en 30 secondes. Les vents sont partis, on les a fait coucher dans les vents pour que les gendarmes ne nous voient pas. Et les vents sont allés ouvrir leurs portes devant le site de GDE. Et en 5 minutes, on avait de nouveau investi l'endroit où nous avons campé pendant presque un an. C'était extraordinaire. Et toujours de manière, on va dire, très pacifique. Toujours pacifique. On était vraiment très bon enfant. On a chanté des chansons. Et on est parti au bout de 2 heures, très content de notre petite plaisanterie, en leur disant, ce n'est qu'un au revoir, mes frères, parce qu'ils savent qu'ils vont nous revoir à chaque fois qu'ils voudront faire entrer un camion dans le site. On sent le moral des troupes là regonflé à bloc. Oui, oui, on a besoin de bonnes nouvelles et on a besoin de cohésion d'équipe. On a besoin de se retrouver ensemble. C'est vrai que le fait que le FRO ait été évacué il y a bientôt un peu plus de 2 mois fait qu'on a vraiment besoin d'avoir des événements fédérateurs comme ça pour regonfler le moral des troupes. Parce que quand vous êtes tout seul chez vous et que vous savez pas très bien ce qui se passe, vous perdez un petit peu le moral. Donc là, on continue et cette action, comme on en a fait la semaine dernière, on va recommencer ça très régulièrement. Et très rapidement, pour conclure, la prochaine grosse échéance, la judiciaire, ça va être de nouveau à Caen pour le rendu d'appel. On ne se fait pas tellement d'espoir. Non. L'idéal serait que ce ne soit pas un blanchiment blanc-blanc, mais bon, ça, on ne le sait pas encore. Je pense qu'on va arriver à obtenir quelque chose. Et puis, on ne se décourage jamais. Si ce n'est pas ça qu'on obtient, ne vous inquiétez pas, on aura une autre idée et on va quand même avancer. Mais on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous, plein de courage. Et puis, on se dit à très bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Allez. Et on se retrouve demain pour les ventes en direct. Ciao. On était dans le cadre à peu près ? Ouais, je l'avais. Tu l'avais. Yes. Voilà.